Et Zam Sayo, nous disons déjà, c'était une équipe, l'équipe Niki, qui a fait l'élection, qui était baillie. Et il faut tout le monde comprendre ça bien. On va aller Michel Martelly, et deuxième équipe qui vient là. Ces âmes nous prennent sous journal qui dans la zone. On vient de Fabio là. Ça, c'est Winter Etienne, chef Raboto, qui a cité nos quelques politiciens qui comptent Balzam. Avant nous venir sur le dossier, ça nous parler de 400 Maozo. Qui lui-même met griffe l'idée, gros cause, parce que, en pile monde te pensé, 400 mao sont après le fond posé. Parce que, dernier temps ça yo, la police frappe yo sérieusement. La police entre dans 5,50 m, 400 mao sérieusement, dernier temps ça yo, en pile monde te dit, ben écoute, 400 mao sont obligé de replier. Parce que la police l'a montré déterminé pour craser des patchs à base 400 mao. Mais monsieur yo, c'est bien compté, mal calculé. Parce que nous disons ça déjà, le groupe 400 Maozo, groupe gang 400 Maozo, il n'est pas facile pour craser. Il n'est pas facile pour détruire et nous expliquons pour qui ça. Dans plusieurs vidéos, nous faisons là, sur Journal 9 déjà. Mais je dis là, monsieur eux-mêmes, ils mettent griffe dehors. Si vous font une petite pause, même si la police marche sous fiel, ils même, ils fait ça, qu'on fait plus bien, qui c'est kidnapping. Mais je dis le groupe 400 Maozo, ils ont kidnappé madame, on directeur l'école, dans quoi des bouquets, ensemble avec tout chauffeur. Ils ont kidnappé madame Eric Zamor. Eric Zamor lui-même, alors Frédéric Zamor lui-même, c'est directeur l'école, lycée Henri Christophe, dans Dikini commune Carrefour. Ils ont kidnappé madame Frédéric Zamor avec tout chauffeur lui, dans quoi des bouquets. Et le plus dur, c'est que ces monde la tremblait. Alors, ils ont habité la tremblée. Et Frédéric Zamor, monsieur, priait kidnapper en grâce. Il fait reconnaître, il n'a pas l'argent. Il n'a pas de gros moyens économiques. Tant pis, libérer madame ni avec chauffeur. Donc là, c'est ça, directeur de l'école, même Frédéric Zamor, il mandait ravisseur, il mandait kidnapper, tant pis, s'il vous plaît, il n'a pas de moyens. Libérer madame, libérer chauffeur, c'est ça monsieur lui-même, lui mandé son directeur l'école, mon directeur lycée, lycée Henri Christophe dans Dikini, fanatique, Diocanel, Journal 9. Donc là, 400 Maozo, lui montré lui pas dormi. 400 Maozo montré le toujours là. Malgré la police a baille au frappe, marcher sur yo, prend soldat pour yo, arrêter soldat, éteindre sous soldat, mais nèg yo même, on l'autre bord, yo montré yo là, yo continue à faire ça kidnapping yo. Donc est-ce que ça t'a dit, faut la police augmenter volume nan? Ha, gros cause, oui. Bataille, ça pas facile. Est-ce que ça t'a dit, faut la police augmenter volume, attaque, la fait sous 400 Maozo. C'est gros cause, papa. En nous venir sous interview, ça, que Winter Etienne, chef Rabotois lui-même, li baille Journal 9. Parce que là, Winter Etienne lui-même, je fais un paquet de gros révélations. Monsieur dit, mais qui politicien kon bal zam. Monsieur explique tout. Raison que fait aucun bezam, raison que fait abgoumé. Raison, alors, ce qui ça justifie le tuer. Winter Etienne font paquet de révélations. Et, monsieur parle, monsieur dit qui est important sur question, qui j'en ou fait acheter cartouche, qui j'en ou fait jouer une balle acheter. Bah, ça yo très important pour nous entendre. Fanatique du Canal Journal 9. Il y a les petits chaises pour bien tendre Winter Etienne et Navin. Bon, plus commentaires après sous vidéo. Navin parle avec vous. Après, en de chef Raboutois, Winter Etienne. Nous avons d'abord commencé par saluer tout le monde, tout le monde qui a de nous, et nous avons salué tous les journalistes. Et pendant la présentation, félicitations pour le bon travail à faire en pays. Nous avons dit que ce mouvement s'est monté, c'est à partir du moment que gagnons combat cap main contre dictateur en pays. Et deuxième phase là, c'est permettre que bien ressources pays capable bien redistribuer pour que tout le monde capable participer légalement et tout le monde capable joindre dans la richesse pays. C'est dans ce sens ça, le mouvement s'est créé pour permettre que les gens qui étaient souffrir économiquement, qui ont sorti en souffrance là, ils créent tout, c'est parce que nous besoin à ce que tout ça qu'a fait dans le pays comme richesse et que tout le monde joigne dans le petit Congo, qu'on est comme pas qu'on est. Jean-Luc Ensi pour Journal 9, et nous pratiquement connaissons, alors nous voyons que ce personnage Et nous quand même connaissons exactement qui est-ce qui Wendell Etienne et depuis qu'il est comme ça milité. Wendell Etienne a bataille depuis 1983. Il était en bataille pour voir Jean-Claude aller, nous en bataille pour voir Norfi aller, nous était en bataille pour voir Avril aller, et nous était en bataille pour mettre Jean-Bertrand Aristide président, et puis nous venons en bataille tôt pour jeter Jean-Bertrand Aristide. Et dernière bataille dont il a fait, c'est bataille pour permettre que la démocratie soit respectée dans le pays et que le président monté, le gouvernement monté, le parlementaire là, c'est pour faire travailler comme ça doit, pour que le pays soit développé, pour que le pays soit avancé, et que chaque monde qui a dans le pays vive tant que monde, et petit chaque monde dans le pays vive tant que monde, pour permettre que notre pays et nos nations, côté chaque citoyen qui est dans, vive tant que monde. Et ça, nous pouvons voir que faut tout a gagné, tout autant que moi-même t'ai toujours dit, tout autant que nous pouvons arriver dans face à une d'Haïtienne, pas plus jamais, c'est pas pour moi. Une d'Haïtienne qui avance en âge, mais que vous pouvez dire, vous avez dit, tigla, vieux, mais zonglé, pas vieux. Est-ce que vous considérez une d'Haïtienne comme, entre parenthèses, un chef gang ou bien un groupe armé qui a broumé contre un système? Naturellement, de par carrière, nous, et on qui croit dans la force de travail, et c'est ça que fait après bataille, je vais commencer dans le lycée et ensuite je vais commencer dans certains collèges. C'est ça que son nègre qui est habitué à travailler avec force et je me même arrivé à faire un dépôt pour vendre des produits gazeux, produits alimentaires et vendre l'eau pour me faire pour me vivre dans le monde, pour ne pas dépendre de personne avec moi-même à prendre. Donc nous allons lever là-dedans, nous lever nos familles qui gagnent déjà, qui est habituée et prend soin. Et c'est ça me lever, donc on va lever dans le style gang. Nous, en bataille politique, les 14 jours, t'es comme fait sans armes longtemps, mais le film prend le son qui était fait en 1994 là, le son en 2002, côté massacre fait sur Raboto, donc nous dit désormais, nous ne pouvons pas faire bataille sans que nous ne pouvons pas défendre tête nous encore, nous obligés de rentrer dans la bataille côté, et puis un président montre qu'on est capable de massacre à Raboto, nous avons une équipe qui campait pour défendre, pour empêcher que le massacre soit fait, même massacre 1994 là, même massacre 2002 là, fait dans Raboto. En tant que professeur, en tant qu'enseignant, comment élèves, comment étudiants, leur connaît que c'est un monde qui a des âmes, qui a un groupe, qui a des âmes, dans la ville de Gonaïf. Bon, pour les élèves, je connais, des salles municipales qui ont des âmes, qui peuvent pas payer l'indépendance. Des salles qui étaient déjà libres, tous ces sont qui étaient déjà libres, mais en dépit de la liberté que vous avez, même personnelle, vous avez trouvé nécessaire pour avoir la liberté à l'autre frère, à l'autre partisan. C'est pourquoi que, vous venez joindre que, ça prend des âmes contre les colons. Nous-mêmes, nous prenons armes contre tout dictateur en d'un pays qui est sous l'obédience internationale. Tu peux te les acheter? Non, nous pas acheté. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais acheté des armes. Qu'est-ce que nous? Les armes, ça nous avons déjà, c'était une équipe, l'équipe Niki, qui a fait l'élection, qui était élu. Et il faut tout le monde comprendre ça bien. On parle de Michel Matéli. Michel Matéli et deuxième équipe qui vient là. Ces armes nous prennent sous Jovenel Tebaï dans la zone. Moi, je viens de Zabio là. Jovenel Tebaï dans la zone. Dans la zone, elle t'a parlé dans l'élection. Jovenel Moïse, oui. Jovenel Moïse. Et c'est pour tout le monde comprendre le bagage, c'est que l'élection présidentielle, ça va faire séparément. Il va faire même là avec le sénateur. C'est la deuxième tour, Jovenel là, il va nous, il débat les armes dans la zone pour faire l'élection. Aujourd'hui, nous devons nous parler de. Nous pas faire cette théorie avec Ariel Henry. Nous voyons que. Nous-mêmes, dans le quartier Raboto, nous étions morts du cul par rapport avec Accord Montana et puis Accord Penn. Je dis, qui ça des motivations ça? Qui ça nous voulait même directement pour le pays en soi? Bon, et la question, ça, elle est capable de prendre une réponse longue, même à réduire de façon plus. Qui problème lié? C'est le problème de comment le président monte sur le pays. C'est un problème constitutionnel. Le président monte constitutionnellement, mandat président qui mourit. Il finit 7 février 2021. Alors que le Premier ministre va le nommer pendant que le président perd du pouvoir. Donc, le président de facto, il met le Premier ministre de facto. Malheureusement pour le Premier ministre, avant le président mourir, il n'a pas eu le temps d'installer le Premier ministre. Donc, le Premier ministre n'a pas installé. Deuxième bagage que vous connaissez, l'installation du Premier ministre, il faut le passer, il faut l'approuver par le Parlement. Pas de Parlement pour approuver le Premier ministre. Donc nous sommes de facto net, nous avons une illégalité totale capitale et nous-mêmes nous voulons retourner en constitution 1947 là, amendée en 2011 là. Donc, si pour nous faire, pour retourner là-dedans, il faut que monsieur qui Premier ministre connaît la Chivala. Et pour passer par là, il faut que nous ayons un consensus entre tous les partis politiques, entre toutes les organisations politiques et civiles dans le pays, pour permettre que nous choisissions un consensus, un Premier ministre, ou un président, qui a choisi un Premier ministre, ou bien un Conseil d'État, qui a choisi un Premier ministre, pour permettre que nous menions par pays vers les élections. Et avant même les élections, nous devons besoin de gagner sécurité totale capitale avec le pays. Et ensuite, organiser jugement toutes les qui ont participé dans Petro-Caribé, organiser tous les jugements, toutes les qui ont fait massacre sur la Saline et dans d'autres zones dans le pays. Donc c'est à ce moment-là que vous allez connaître si on a fait élection. Nous, Ariel Henry dit, il ne faut pas quitter en Panago et c'est l'élection là pour organiser dans année 2022. En ce sens, ça me répond. Jovenel te dit plus que ça. Jusqu'à ce que la mort soit partisan de tuer. Est-ce que ces partisans ne sont pas tuer le tout? Nous ne connaissons pas. Mais ce bagage que nous connaissons, moi-même, je ne le 7 février avec Ariel. Il y a l'autre équipe qui a un rapport avec 7 février. Moi-même, je dis Ariel, c'est un dictateur. Son homme qui bat un coup d'État, qui tue un président, il prend pouvoir. Nous, il faut le remettre lui. Le coup changer, avril, tu prends pouvoir, ce qui va prendre qui prend. Eh bien, il est obligé de mettre lui. Chaque monde qui prend pouvoir ça dans le pays de façon illégale, d'autres populations toujours comme dehors. Et si tu prends l'illégal, peut-être qu'on t'a pris le bagage sérieux, peut-être la vie du peuple a amélioré, peut-être qu'il y a sécurité dans ton pays, peut-être prendre dans tout petit ensemble là, où tu as organisé tout ça qui prend, et ça tout le monde n'a pas vu. Deuxième bagage pour nous comprendre. Même si Ariel est légal, Ariel te gagne 90 jours à 120 jours pour organiser l'élection dans le pays. Il va organiser. Donc, il y a encore, nos bagailles d'opéra nous sont encore plus illégales. Parce que même l'État de facto, je te montre, il faut organiser l'élection dans 90 jours ou bien 120 jours. Ariel n'a pas le bruit sur ces mois. Donc, il va organiser rien. Il pas s'organiser rien. Si tu veux organiser le top chef avec tout secteur dans l'époque de fête montéa, pour permettre que de réaliser de bonnes choses entre le pays. Nous avons tourné sur ça qui est avec question armes. Qui ça qui t'a dû faire ou bien à quelles conditions Winter Etienne et consort a accepté de déposer les armes? Nous faisons déjà. Nous faisons 2004, nous faisons une bataille et nous réunissons le Premier ministre sur place là, en présence de forces étrangères qui là, nous remettons les armes. Et nous disons même bagarre la préfète. La remettre ça. Depuis le président, depuis le montant président provisoire, le premier ministre monté, le gouvernement fonctionné, nous-mêmes la remettre ça. Mais nous connaissons que ça, on dit que la cartouche, nous faisons qu'il n'y a pas de cartouche. Si vous faites non, non, nous avons une cartouche achetée parce que même la police a payé. Quelle cartouche que j'ai achetée, c'est dans même policier. Policiers. Oui, des policiers qui n'ont pas de contrebande. Des policiers n'ont pas de contrebande. Des policiers qui n'ont pas de contrebande. Ah bon? Vous avez demandé combien vous faites venir ici, entre Port-au-Prince, vous avez des armes, tout le monde. Il y a des gens qui ont fait contrebande dans le pays, dans la question des armes, des munitions. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas acheter des armes. Seulement, les armes, nous devons les utiliser. Mais quelle différence il y a entre le groupe Winter Etienne avec 400 Marozo, GF et alliés, Tibois, Granville, Village de Dieu? Différence invisible, comme question, il faut le poser, mais une différence invisible. Nous-mêmes, ici, nous ne pouvons pas taper les gens. Nous ne parlons de mon rançon pour rien. C'est nous-mêmes qui dégageons. Nous après dernièrement là, c'est mon naïf qui met ensemble, tout le monde naïf, pour mettre des corps pour acheter des munitions. Nous jouons sous cela et puis nous mettons des corps. Donc, citoyens de Gonaïve, citoyens de Gonaïve, qui contribuent, nous dérivons à 1 250 000 gouttes. Nous achetons des munitions avec elle et puis nous mettons des batailles à camper. Et puis jusqu'à présent là, on a résisté. Mais je dis à la nous-mêmes, qui ça nous voulons pour faire là? Vous pouvez mettre le pays à lui-même, il va aller en dessous. Nous demandons un conseil de gouvernement. Nous demandons le droit, mais les grands entendus ont été 5. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est le conseil de gouvernement, ça va former un gouvernement avec le consensus avec toute parti politique, toute organisation civile et politique, nous montons le gouvernement. Dès que le gouvernement monte, il y a le travail pour mettre KIP, pendant que KIPA, il y a entrer dans tout le dossier sécurité nationale là, il y a entrer dans tout le dossier pour faire jugement, nous-mêmes nous disons. Depuis le gouvernement monté la pour mettre armes. Et la différence, nous, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire mal, nous ne pouvons pas faire mal, nous rançonner le peuple, nous ne pouvons pas faire mal, nous faire peur, mais nous ne pouvons pas faire mal, pour nous défendre tête, pour nous empêcher le massacre qui était fait en 1994, pour nous empêcher le massacre qui était fait en 2002. Bon, ici, en Raboto, pas fait encore. Voilà, nous remarquons à chaque fois qu'on dit des journalistes allaient dans le ghetto, donc au journal 9, nous avons souvent vu que le rapport dans le ghetto a des lettres fait antenne qui tombent à examen. Mais nous allons remarquer ça dans le Raboto. Est-ce que c'est aussi dans la voie? Le Raboto, nous pas presque pour le moment servi à examen la journée. C'est le soir, on fait patrouille. pour nous empêcher que les gens ne viennent pas nous. Nous ne sommes pas parfois avec ça. Mais la journée, après tout le monde là, les soldats, bon, le gouvernement qui l'a façon. On est venu là le 1er janvier, ça a dérivé. Il y a un plan avec le ministre de la Défense là, pour venir attaquer Raboto, venir massacrer mon Raboto. Le plan ça nous dit pas passer parce que nous parés, nous prêts, comme ça, ça va venir. Et cette fois-ci, si on vient là attaquer, non. C'est plus que ça nous fait déjà. Winter Etienne et consort, tu couvres Ariel Henry, mais est-ce que pas de bras derrière Winter Etienne et consort? On a parlé de l'autre qui dans le secteur privé, entre parenthèses, Daniel Kassi, André Michel, Nexa, il va contacter nous. Non, on n'a pas servi avec Abolocho, nous servons à monde qui consomme. André Michel, c'est Abolocho? Oui, nous disons que nous devons servir avec Abolocho, parce que pour montrer nos pouvoirs, il faut qu'on ne sache pas le faire pour sécurité peuple là. Pour montrer nos pouvoirs, il faut qu'on ne sache pas le faire au niveau social du peuple là. Pour montrer qui plan gain économique. Pendant tout ça, pour permettre que les jeunes qui forment, les jeunes moyens, soient capables de fonctionner, pour permettre que nous avancions ensemble. Donc c'est ça qui est le plan par nous. Si je ne vais pas monter dans la pièce du gouvernement, qui me parle de bon plan, qui va faire feuille de route. On fait une route qui est tracée par un ensemble d'organisations politiques, un ensemble d'organisations civiles, pour dire, mais côté nous sortir, mais côté nous aller. Est-ce que si le gouvernement a monté la table, les Winter Etienne, on job directeur général, ministre, mais n'importe quel job dans le gouvernement, est-ce que la politique débat à la fin? Il y en a un peu de militants, même à ici, de faire. Leurs militants, c'est des défenseurs de pouvoir, pas pour elle prendre job comme ça. Si ce n'est pas eux-mêmes qui mettent le monde sous pouvoir, pour elle travailler avec elle. Dès qu'on a un job dans la main, on bouche au mari, on ne va pas venir. Moi-même, personnellement, je ne vais pas chercher de job. Pas chercher poste ministériel, mais par contre, si on demande un ministre, je vais offrir un ministre. Si on demande, je vais commander ça. Et ça fait un débat avec Ariel, elle fait monter. Nous disons qu'il faut la partager, il faut nous gagner des ministres qui ont passé, qui ont participé dans le gouvernement là, pour permettre que ça a décidé nous en dedans, pour nous connaître ce qu'on fait là, et pour nous faire une adhésion par nous, pour nous faire une proposition par nous. Et pas faire nous-mêmes nous entrer dans la rébellion totale capitale. Bonne direction, puisque nous connaissons même aussi un monde qui a toujours été. Et on aussi qui traite par rapport avec la mobilisation. Je dis à un Conseil national de précision et qui analyse pas sur Edgar, le sénateur Edgar Leblanc. Mais ça vous nous comprendre cette tête là. Choix président y a fait et Montana a choisi moun pour le voyer en d'un conseil là. Il a choisi moun libre. Deuxième choix qu'on y a. Il va sortir en dedans l'organisation qui en dedans mouvement qui sur ça signé. À partir du moment que yo choisi le ça, qui problème monde a gagné et que tout secteur représenté pour monter conseil, ensuite je premier ministre, monter gouvernement ensemble, qui problème monde a gagné pour pays prendre rail pour l'avancer. Mais ça c'est un bagage consensus qui fait. Mais quand il y a ça qui fait là, son nèg qui joué président, il prend pouvoir avec équipe et puis il a fait ça le bitou. Donc là nous avons côté bras la velle, pas de rien qui fait en fait. Au niveau social, qui montre qu'il y a un changement capital, ni au niveau économique, ni au niveau politique. Et nous-mêmes, nous disons que plus loin, nous voulons la décentralisation économique, la décentralisation sociale, décentralisation culturelle et décentralisation politique. Nous voyons que la commune nationale a toujours dit qu'il était accroché ensemble avec Ariel Henry, surtout, et dans 7 février, il ne dit pas lié avec mandat Ariel Henry. Il dit Ariel Henry là pour organiser de très bonnes élections dans le pays. Selon nous-mêmes, comment nous comprenons la position communauté nationale, notamment les Américains? En 1802, le Toussaint fin fait constitution 1801. En 1802, la France voyait une équipe de débarquer ici, venir rétablir les l'esclavage. Alors qu'en 91, 93, ils ont aboli l'esclavage en Haïti. Pourtant, en 1802, on va joindre Napoléon venu pour rétablir l'esclavage. Ils ont même arrivé à arrêter Toussaint Louverture. Après Toussaint Louverture finale, il te dit, on a tué des bois, mais Racine a repoussé encore. En l'époque, ça, ils ont dit non, l'esclavage n'a rien fini. Ils ont retourné avec elle. Mais, on va le taux, créer des salines, qui fait quelques tirs quand même, parce que elle prend pétition, là elle prend Rico, là elle mettait bon côté pour le faire révolution, alors que mec ça tous s'étaient chassés en 1801, ils étaient quitté pays à y aller. Tous ces films brevillat dans le nord, ils passaient prendre dans l'ouest pétition, ils passaient prendre Hugo dans le sud. Tout est ça qui était payé, ou alors tout est ça va le retourner encore avec notre expédition de l'Union, c'est le reste à des salines faire, et c'est même avec Nexao qu'on a assassiné en 1806, parce que pas tout fait alliance avec Nexao. Donc nous dit clair, a toujours des gens qui veulent qu'un pays dans l'esclavage, a toujours des gens qui veulent qu'un pays en bas dictateur, a toujours des étrangers qui veulent qu'un pays pour ne pas jamais développer, pour que ça américain ne pas jamais investir pour venir développer mine nous, exploiter mine nous, nous avons mine pétrole, nous avons mine ciment, nous avons mine l'or. Pour qui ça va jamais exploiter? C'est toujours non politique. Yo là pour Kembe Moun, c'est ça la politique de doublure qui était passée en 1844 à 1888. Yo veut toujours mettre Moun, que qu'a commandé, Moun yo plaît, y a pris sur yo, et nous dit nous-mêmes. Nous voulons président libre, pour une président pour nous. Nous voulons président indépendant, capable de diriger pays dans l'intérêt communautaire, dans l'intérêt nation. Dernière question, dans bataille qui va mener, qui rôle en sénateur de la Tortugé? Sénateur Tortugé, c'est un caboto. Mako la prendre Kaboto, sénateur sénégalais, sénégalais Gonaïve, Mako la prendre Gonaïve. Ils sont haïtiens conséquents. Ou comment on était conséquents. D'ailleurs, nous joyeux pour lui, nous contents pour lui et nous félicitons. Parce qu'il n'est pas entré dans la même logique avec tout le monde entré à le prendre poste et puis quitter le peuple à l'air. Nous félicitons pour ça. Non, nous ne pas chercher financement dans le même grand monde. Nous avons tout le pays qui a financé nous, nous avons besoin de check-connect, si nous avons un ballon, si nous avons un tout, nous avons exiger. Est-ce que nous avons une manifestation qui a préparé? Oui, nous avons un qui a préparé parce que nous avons besoin de mettre le peuple à la rue pour dire non, pas avec Jovenel, il pas avec Ariel. Et puisque pas avec Ariel, nous ne pouvons pas parler d'Ariel, je prends Ariel mettre la caille. Ok. D'accord. Merci, voilà, ça c'est Winter Etienne qui t'a parlé avec Journal 9. Eh ben, Winter Etienne, nous sommes tendel, monsieur, font paquet de révélations que Michel Martelly, ancien président Michel Martelly, Balsam, ancien président Jovenel Moïse qui mourit Balsam, pendant deuxième tour élection pour te organiser élection pour lui. Donc, ouais, une bagaille nous doit retenir dans ça, c'est que, eh ben, en pile, nèg qui nan ghetto, qui gen zam nan me yo, parfois nèg yo, yo achete zam avec l'argent kidnapping yo fait, l'argent ba yo fait, mais en pile nan nèg yo tout, c'est politicien qui met zam nan me yo. C'est politicien nèg qui candidat pour vin président, nèg qui candidat pour vin sénateur, nèg qui candidat pour vin député. En pile nèg ak zam wè nan pays, k'ap bay problème c'est politicien qui met zam nan me yo. Ça, son bagay, eh ben, nous doit condamner et la justice doit mener enquête pour traçons exemple dans bagay ça, fanatique, Dieu Canel, Journal 9. Et l'autre bagay, monsieur parlait de cartouches, et c'est 4 yo qu'on fait, ok? Ou rassembler cop, tout le monde baye cop pour acheter cartouches, mais, qui compte le jeune acheter cartouches là, non, mais, policier. Est-ce qu'un policier qui a fait contrebande qui a 20 cartouches? Alors, il y a un policier dans la police nationale là, qu'on a plein, il y a un cartouche, oui, mais il y a l'autre groupe policier même qui a 20 cartouches. Ça va pas qu'à ti policier, non? Ça pas qu'à ti policier. N'a qui gen gros grade. Ça, il gen nek a 20 cartouches dans la police nationale là. Parce qu'en pile policier, la police qu'on a mené opération cartouche nèg yo fini obligé courir tourner. Et puis gen nek a 20 cartouches dans la police là. Bah yo grave. Et Winter Etienne fait connait que ben affaire Ariel Henry pas la donne même parce que Ariel Henry illégal de facto. Ariel pas carré sous pouvoir, il annonce qu'il a continué bataille contre Ariel. Si tu te fait Ariel Henry pété courir déjà 1er janvier dans Gonaïve et voltiger. Ariel Henry te voltiger aller. Parce que, monsieur lui-même, Winter Etienne, ça qui est différent. Bon, non, ça lui expliqué. Ça qui est différentiel de l'autre groupe, de l'autre groupe armé, tant qu'on 400 Marozo, l'autre groupe encore, c'est que lui-même lui expliqué, yo pas nan cause kidnapping. Ok? Yo pas nan cause kidnapping, yo pas nan bagay comme ça. Fanatique, Joe Canel, Journal 9, donc Winter Etienne by en pile causé par en pile causé fanatique Joe Canel Journal 9 en nous parler de causer accord parce que je dis en là sur accord diaspora gain accord parle accord diaspora c'est unité accord unité Louisiane accord unité Louisiane dans lui-même mon yo rassemblé jodi en conférence de presse avec ben ancien député Hippolyte qui t'a parlé Jean Wilson Hippolyte yo fait connait que jodi en là li important pour tout l'autre accord Montana Pen et accord Unité Louisiane, ils font seul, accord 11 septembre, je dis à la, li important pour font seul pour pays, entendez, ancien député, Hippolyte. Nous inviter de l'autre accord Montana Pen, accord 11 septembre, Vinchita avec nous. Ou bien, invitez-nous, Chita avec yo. Pour joindre une solution pressée, côté tout acteur fait dépassement pour aider Haïti sortir dans tout lié journée aujourd'hui. en bas violence, en bas insécurité, kidnapping, corruption, impunité et la trier. Nous profitons de l'occasion pour nous féliciter toute personnalité et institution qui te prend l'initiative de réaliser Sommet Louisiane pour faciliter les Haïtiens à continuer chita ensemble. Chapeau bas pour diaspora qui ne pas jamais laguer Haïti dans tout moment difficile. C'est pour ça que je dis, diaspora doit impliquer plus toujours dans la décision qui apprend dans l'intérêt du pays d'Haïti. Haïtiens tout partout sur la terre, Kachita, n'importe côté, pour discuter sur le problème Haïti. J'en s'affaire déjà, parce que nous songeons à l'accord gouverneur Zaren, accord Cartagène dans la Colombie, accord New York, et la trier, côté haïtien habitué chita ensemble, en dehors pays, sous invitation diaspora ou bien partenaire international. Nous avons précisé, après sommaire, nous rencontrons deux gros personnalités dans le département d'État américain. C'est Mme Jennifer Spendi, qui est directeur bureau du département d'État américain sur Haïti, John Etchowski, qui est secrétaire bureau député dans le département d'État pour zone occidentale. Pour diaspora, pour ça représenter pour Haïti, personne pas qu'à contester doit ça les gagner pour impliquer dans les affaires pays et aider chercher une solution ensemble avec nous qui vivons dans le pays d'Haïti. Nous l'autre pas. D'après dit encore, je voulais dire, aucun secteur en Haïti n'a pas de solution pour contenir. Pour sortir du pays dans la crise. Dans ce sens, nous-mêmes représentons 9 accords qui présent là, je dis. Nous lançons un appel par tout l'autre compatriote qui dans Montana peine. Accord 11 septembre, avec l'autre groupe organisé, avec institutions qui engagées sous terrain, pour nous chiter ensemble, pressé. Pour nous entendre nous sur route, nous devons prendre pour commencer à remettre l'État, camper et puis travailler pour l'institution reprendre ce camp figuier. Nous avons demandé tout groupe et institutions organisées pour nous mettre ensemble. Dans le gros combi, ça, d'un coup, accord unitaire Louisiane. Montana peine, 11 septembre. Tiers Sénat comme institution. Conférence épiscopale. La presse. Conférence Baroyo. Forum secteur privé. Secteur paysan. Vaudou. Catholique. Protestant. Association professeurs et étudiants et la trier pour nous sortir avec un seul accord qui c'est accord tête ensemble pour Haïti. Nous avons fini pour saluer l'effort partenaire international qui a fait pour aider les Haïtiens à joindre une solution dans le consensus. Pour joindre une crise. Mais, toujours songer, C'est Haïtien qui est bien placé pour chercher et puis jouer une plus bonne solution pour le problème du pays d'Haïti à traverser depuis longtemps déjà. Qui vient plus grave depuis la date 7 juillet 2021, côté criminel local et international qui mettait ensemble pour assassiner le président Jovenel Moïse Lacaille. Vive Haïti, vive démocratie, vive peuple haïtien. Voilà, ancien député Hippolyte dans l'accord unité Louisiane qui t'a parlé de nécessité pour tout accord au fond seul, pour une transition qui pas longue, pour organiser élection dans le pays, pour payer un qui a des dirigeants légitimes qui dirigent le pays là. Donc c'est comme ça, accord sur accord, il va pas. Ariel Henry dit lui-même, c'est celle qu'on chante, pas de président 7 février, ok, c'est celle qu'on chante. En tout cas, papa. Ou qu'on formule là déjà, si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur la petite cloche pour toujours recevoir notification. Chaque fois nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo 9 pour nous dans Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail ça. N'a pas campé là avec vidéo si là.